Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 36e épisode de notre saison 3 de Space Engineer en coop sur Pertam avec Lodos et XK. Et aujourd'hui on va se rendre compte qu'on a peut-être besoin d'un petit peu plus de stabilité à l'arrière. Allez, c'est parti. Déjà quoi? Bah je sais pas, ça m'a fait biolo et alors que j'ai 3 bouteilles. Ça fait fuel low? Ouais ouais, et alors que j'ai 3 bouteilles, je comprends pas. Ça m'a fait bizarre. Le terrain est bien endommagé en plus. Ouais. C'est chaotique. C'est quoi, c'est dans le renfoncement ici que tu voulais passer? Ouais, mais même encore vu de près, ça fait une belle bosse aussi, hein, donc ça passera pas non plus. Non, mais à la limite, on met des rampes. Ouais. Non, mais à la limite. Vraiment, c'est peut-être le moment où il faut qu'on sorte les deux essieux supplémentaires et qu'on y colle les premiers thrusters Atmo. Oui. Si tu pouvais t'arrêter là, au niveau de l'herbe, ici, ouais, là, ça, c'est pas. Je pense que c'est ce que j'allais faire. En plus, y a, mais après, il y a de la montagne. Là. Ouais, en fait, ça peut passer. Avec si on a beaucoup de force, ça peut passer. Ouais, c'est ça, hein. C'est le seul endroit où là, c'est le moins haut, donc bon, après derrière c'est raide aussi, donc oui, énergie low, je sais, j'arrive. Hop, on va pas se raccrocher tout de suite, on va d'abord lever. Ouais, c'est ce que je veux dire. Faut peut-être regarder les têtes de piston, je crois qu'à l'arrière il en manquait une. Je les remets. Ouais, bah attends, à la limite. Attends. On va pas s'embêter. On va juste mettre. On va le lever droit, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est-à-dire. On va le mettre les 4. C'est ça que je veux dire? Non, on va le lever avec un seul et avec des. Une MacPlate. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme tu veux. Du coup, je le fais par l'avant. Oui, ça passerait. Hein. Yep. Alors. Poum poum poum. Il veut pas inverser. Et si à l'avant que tu voulais remettre un jeu de... Ah, c'est la vélocité qui a zéro. Non, c'est à l'arrière. C'est lock. Oui, ça je vois bien. Mais il va falloir mettre plus de force. Comme ça. Ah voilà. Oh. Avec un seul bras. Génial. Un seul doigt même. Par contre, il est juste au mauvais endroit ce piston, non? Pourquoi? Pour mettre les roues. Ah non, c'est derrière. Non, c'est à l'arrière qu'il veut mettre. Parce que ça va, ça va permettre de supporter le poids des drills. Ça évitera que l'avant se lève. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on vire les deux vérins arrière là. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de les virer, mais. Par contre, faut qu'on repère combien de blocs. On continue le châssis, c'est ça? Ouais. On peut pas l'agrandir le châssis là avec la foreuse. Faut qu'il passe jusque après les foreuses en fait. Oui. Un, deux, ah oui, trois, d'accord, tu veux faire un cadre autour de la foreuse. Ok, d'accord. Ok, bon, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça descend ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça descend là.
vrai que sur le côté gauche, on n'avait pas renforcé, c'est pas bien. Oula, c'est beaucoup trop ça. Des foreuses hein, aussi. Non, mais c'est pas pour englober toutes les foreuses non plus, c'est juste rajouter deux essieux à la même distance que les essieux précédents sont. Ah, ok. Donc, normalement, tu mets 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le premier que t'as mis, tu peux descendre, et puis sur le deuxième que tu mets, tu peux descendre. Enfin, sur le dernier que tu mets, tu peux descendre. Sur le dernier que j'ai soudé, c'est ça? Je me suis arrêté au bon moment. Je sais pas. Putain, je suis dans mes roues. Je cherche mes roues. Et c'était là. Vite, gauche. Ah, j'étais dans le... J'étais dans la roue. J'étais pas dans la roue. Ah. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, ça me paraît bon. Ça va faire un peu plus de puissance, ça. Un peu. Par contre, faut vraiment que je retrouve comment on fait un copier-coller sur... Build Vision. Vision. Copy. And paste. Qui manque. Les grands tubes. Contrôle Alt Mousewell Up. Non. Ah, ça y est. Select All Insert, Copy Selection Page Up, Fast Copy Properties Page Down. Ok, Insert Page Up, Page Down. Tout simple. Ah. Bah. Non. Ah. Ils enlèvent. Ils n'avaient pas des noms particuliers Je les avais pas nommés avec des noms à la noix Si, tu les avais nommés avant, avec les roues. À l'avant, ouais. Roue AVGE. Mais après, ça avait pas été... Non, à l'avant... À l'avant gauche, elle est nommée. Pas droite, en fait. Droite, c'est roue tout terrain. 3-3. Bizarre, ça. Non. À droite, roue avait des E. Après... Non, mais là, tu regardes sur... Non, il faut faire un...
contrôle pour voir le nom dans Build Vision. Ou, ouais, bah... Ah oui, d'accord, je m'en sers jamais en fait. Je vais plutôt copier ces settings. Ah bah non, je peux pas copier ces settings là, parce qu'elle est... Bon, tant pis. Fuel low. Oui, fuel low. Fuel critical. Et le V1, quand tu l'as trouvé comme ça, c'est pas considéré comme quoi qu'il était lock? Si. Les turbines ne tombent pas, parce qu'il y a c'est pas de vent. Parce que c'est pas... Tu peux pas... C'est une souris. Ah d'accord. Yeah. Mais il manquait ça là. Pas vu. Bah si, il est en train de les mettre. Okay. Alors après, ça donne une opportunité pour ajouter un hinge au niveau des convoyeurs du bout là. Et potentiellement de rajouter des... Moi, tu les enlèves de sécurité. Hein? Je parlais XK en fait, désolé. Ah, excuse-moi. Non, j'enlevais. C'est juste un bloc qui était pas bon. Alors, XK, je dirais, va pas forcément tout au bout. C'est je bien. Pense que le dernier est en cours. Après. Oui, mais le dernier, c'est celui qui supporte la roue. Non, le dernier est de biais que t'as mis. C'est comme ça partout. Oui, mais je pense qu'il est de trop à cet endroit-là. Oui, mais sur le la... rover est pas fini. Le rover n'est pas fini, c'est pour ça. Après, faut encore de la place et des supports pour les réacteurs. Bah oui, mais justement, je pensais que les réacteurs, on pouvait les mettre. Bah oui, mais il y a les foreuses. Ça passe pas là? Ah, ça passe pas. Les foreuses dépassent un petit peu, ouais. Faut laisser de la place encore pour un gros réacteur à hydrogène au milieu, et ce sera nickel. Mais après, la foreuse, elle pourra peut-être être retirée, non? Non, on la garde. C'est vrai que si le jour où on veut décoller, on peut retirer la foreuse, ça c'est pas faux. Comment ça? Et le jour où on en a besoin parce qu'on a réatterri, comment tu fais? J'avouerais que ça nous a pris un temps fou à racheter tout ça. On n'arrivera jamais à atterrir avec ça, arrête. Si, avec des parachutes. Bah ouais, on la parachutera, ouais, pourquoi pas. Parachuter. Il va falloir mettre un paquet de parachutes par contre. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, peut-être pouvoir... agrandir les panneaux solaires aussi. Oui, ce que je disais tout à l'heure, on pourrait rajouter un hinge. Entendu. Au niveau de là où on a cette ligne de convoyeur. Pour suivre la ligne jusqu'au bout. Oula. Ah.
T'as de quoi finir ou... Non, pas encore. Ouais, ça prend trop de place. C'est bon. Yes. Bon, c'est pas grand chose, mais ça sera déjà un début. Bah, ça va aider d'avancer un peu plus, surtout dans les montées. Juste falloir que je me le règle. Le tableau de bord. Et c'était un... comme ça ici. Ah. Oui, il manque tout le long en fait. Ceci dit, à terme, faudrait qu'on vire ceux qui ne servent plus à rien de l'époque où on était en 5x5. C'est vrai. Alors... toi, je me disais, on peut peut-être... pourquoi t'as la direction on, toi ? Du coup, direction on, mais angle... Comment savoir la tronche? Oh, ça en avait avant déjà. Ouais. Ça avait une tronche, mais je peux pas te dire laquelle. Ah, ça. Pas plus de réacteurs que ça? Pour l'instant, on va. Mais je pense qu'on va rajouter du. Du large dessus. On va en mettre encore 3 en symétrique. Comme ça, ça ferait 6 de chaque côté. Ça fait mais... une espèce de triangle. Ce que je me disais, c'est qu'on rajouterait certainement un large posé sur celui qui est là. Ah, non. Genre comme ça, regarde. Je les ai pas, mais je te... Comme ça, va un peu plus arrondi. Moi, ce à quoi après, je pensais... les... comme ça, après, on pourra mettre les larges au milieu. Deux larges au milieu. Oui, mais au milieu, il y a les foreuses, monsieur, on a dit. Alors que si tu mets... ouf. Un large ici, ça a de la gueule aussi. Tu peux encore remettre des petits au-dessus. Et tu peux encore remettre des petits au-dessus. Et on trouvera bien un endroit où mettre de l'hydrogène. Ou alors on mettra des larges en hydrogène, peut-être. Bah, on a de la place ça, à l'arrière pour mettre les... ah ouais, non, on va mettre du poids encore à l'arrière, ça va. Ou au pire, on peut les mettre à l'avant. C'est pas un problème. Ouais, trouver de la place à l'avant. Plus beaucoup, mais on a encore un petit peu. Ah, faut peut-être que je descende le piston. Yeah. On est d'accord, on descend le piston. Bah, on a fini, ouais. Si tu les as paramétrés et autres, c'est bon. Ouais. Bah, juste qu'on prolonge un peu hein. Pour remettre. Les éjecteurs et les panneaux solaires. Alors, je repasse le plan. Et les rues, tu pourrais poser les lumières plates à l'arrière. Les quoi? Comme ça, est-ce que tu pourrais poser les lumières plates à l'arrière? Ah oui. Comme ça, je les soupe. Attends, je finis de descendre. Ça.
Vous me dites quand ça touche le sol, les roues ? Deux secondes, j'étais pas en train de regarder. Je regarde, là. Bientôt, ça y est, ça touche. Tout le monde a touché, là, c'est bon. Lumière plate à l'arrière. À l'arrière où ? Ah, ici. C'était où ? C'était dans quel... C'était avec toutes les lumières ? Je sais pas ce que c'est comme lumière. C'est les panneaux lumineux. Oui, c'est avec toutes les lumières. Je suis mort en tombant de 5 mètres. Oui, c'est des choses qui arrivent. Ah. C'est la gravité de Bertram, ça. Ça va pas. Bon, messieurs. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour Bertram. Ah non, pas encore. Propulseur Atmo... Prop Atmo... Forward. Sauvegarder. Groupe Prop Atmo Forward. On off. Ok. Oula, ça roule. Oups, pardon, c'était un arbre. Alors, ça va un petit peu mieux. C'est pas trop ça. Si je rajoute les propulseurs, c'est un peu plus ça. Ça va, ça grimpe. Ouais. En face, par contre, ça va pas être la même histoire. Là, on est à 1,2 mètres seconde. Donc, ça grimpe. Ça grimpe ce que ça peut. Bon, est-ce que quelqu'un peut aller dans un panneau de contrôle, prendre toutes les roues et regarder quelle est la config de la souplesse, la strength des suspensions? Je pense qu'il faudrait la baisser un tout petit chouï. Tu peux m'occuper là-bas ? T'as fait un groupe pour les roues ou pas ? Pas la... Les nouvelles sont pas dedans en tout cas. Si j'ai fait un groupe, les nouvelles sont pas dedans. Non, bah laisse tomber, j'ai. Je vais y aller. Mais ouais, mais j'étais en train de sélectionner toutes les. Je rajoute celle qui manque. Ok, et dans les roues, en fait, c'est la force qui a 14 actuellement, 14.13 d'ailleurs. On va la passer à 13. Ça va peut-être aider. On va voir. Non. Et j'augmente un peu. Non, au contraire, au contraire. C'est... Pour assou... L'idée, c'est... Non, ne baisse pas. Non, je ne pas. Par contre, je veux bien que tu t'arrêtes, s'il te plaît. Il faudrait rajouter des freins aussi. Ça va être très compliqué là.
T'as l'intention de passer tout droit là? Non mais attends, on met des rampes là, c'est une falaise ça. Comme je vous disais, c'est compliqué. Ouais. Avec une petite rampe, là, je suis sûr que ça y va. Ou sinon, t'as juste à gauche, là, ça m'a l'air d'être un peu moins pentu, non? Quelle gauche? La gauche du véhicule, quand tu regardes vers là-bas. Éventuellement, je peux peut-être essayer de prendre de la vitesse. C'est à gauche. Décollage! Ça a tapé. Diantre! Oh, punaise. Est-ce que je reviens sur nos pas ou est-ce que je continue? Tu veux que j'aille jeter un petit coup d'œil voir si ça montrait mieux plus loin? Un peu plus loin? Ouais, éventuellement. Ouais, je vais. Mais je pense que là-bas, fond. Sur la ligne de crête, j'ai l'impression que c'est un peu moins. Ah, alors... C'est peut-être qu'une impression. Ah, ouais, faut que tu viennes ici. J'en suis sûr qu'ici, tu pourrais passer. Ouais, ici, tu passes, je pense. Y a pas de boss, c'est une pente raide. C'est... Alors... Il y a un trou, là, derrière. Oui, c'est pour ça que je vais... Ouais, ici. Ah, y a un point rouge, là-bas. Où ça? À 8 km. Ah. 8 km sur ta droite. Ah oui. Nord-nord-est. Outpost. Ouf. Ça veut dire que c'est pas pété. Ouais. Je me pose au sol pour éviter de dépenser trop mon jetpack. Ouais, je pense qu'ici tu passes. En prenant un peu d'élan, ici tu passes. C'est plat en fait. Ça monte sec, mais c'est plat. Pas de boss. Non, encore. Ici. Tempête, là. Ah, mais en fait, comme j'avais déjà pris le truc, vas-y, pousse. Juste à... Regarde. Et descendez, poussez. On pousse. Mettez des pistons. Ah bah là, tu mets un piston, une dizaine de pistons devant, hein. Il y en a qui l'ont fait. Mais non, mais plus devant, là. Ouais, là où je suis, là. Il ouais. y a un véhicule... Il y a un truc qui arrive sur nous là. Un sparrow qui arrive. C'est un sparrow, oui. Les tourelles? Au boulot, les tourelles? Elles sont en marche, les tourelles? Quelqu'un pour vérifier si les tourelles sont en marche? Oui. Bah, les anciennes, oui. Ah oui, les nouvelles, c'est. Oui. Ils ont mis un petit peu de temps à réagir, mais c'est bon. Bon. Je pense que c'est bon là, il a plus d'armes. Ouais, là, ici, tu devrais pouvoir monter là. Ouais, tu t'es mis un petit peu... Je suis tombé du sparrow. Mince, t'es mort? Ouais. Ouais, t'as des roues dans le vide, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que je parlais de baisser un peu la force. Les suspensions. Pas encore dans le vide. Je les ai mis à combien? Ah mince, ça suffit, ouais. Je suis dedans. Roux. Ça va, t'arrives à revenir? Pour mes affaires, j'arrive.
13, 12, c'était trop. Clairement, passé à 10. Ah. Allez, tu touches ça. Ça avance un peu. Ouais, non, t'avances plus là. Oh là là. Là, ça aurait été idéal de prendre un peu d'élan. Mais le front, on rajoute des thrusters. Prendre un peu d'élan. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!